que tout le monde dise. Soyez tous les bienvenus ce soir à cette session de développement des dirigeants et je prie que le Seigneur développe chacun de nous au nom de Jésus-Christ. En particulier, j'ai vu que vous prenez note que il y a des fruits qu'on doit porter. Et à cette session, oui, si vous êtes enseignant, vous allez développer votre ministère d'enseignement. Si vous êtes pasteur, vous devez sinon développer votre ministère de pastorat. Et si vous êtes évangéliste, quel que soit le domaine de votre ministère, alors c'est que vous devez reconnaître que voici et la façon dont on doit prêcher. Si tu es évangéliste, tu agis comme évangéliste et non comme un enseignant ou un pasteur. Alors toute chose doit être manifeste que réellement cette personne, oui, est évangéliste. Donc en particulier, voyons les psaumes 100, 101, 102, 103 et les choses que nous allons voir aujourd'hui. C'est que avant d'enseigner, il faut lire ces psaumes et remarquer quelque chose là-bas c'est comme un essor qui se présente dans chaque chapitre pour que nous puissions bien enseigner au moment de l'enseignement au peuple de Dieu. Donc, je vous dis de lire parce que vous lisez chaque fois et je veux que vous fassiez cela pour que vous soyez de votre meilleur. Et que le Seigneur bénisse à cause de vous au nom de Jésus-Christ. Amen des psaumes. Père, nous te remercions ce jour. Merci pour tes serviteurs, les frères et les sœurs. Nous te rendons grâce parce que dans tous les domaines, tu as suscité des dirigeants. Je prie que tu développes nos frères et nos sœurs pour arriver à la hauteur de l'appel que tu as donné au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons au psaume. Et c'est nous allons parler de notre appel et notre commission à servir le Seigneur. Notre appel et notre commission à servir le Seigneur. Donc, dans le psaume, nous allons voir psaume 100. Psaume 100, verset 1. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Verset 2 qui dit, servez l'Éternel, soulignez cela, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Psaume 101, verset 6 dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre, voici le mot, sera mon serviteur. Psaume 102, verset 21. Pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'ils publient dans Sion le nom de l'Éternel. C'est le psalmiste que nous déclarons les louanges du Seigneur à Sion et ses louanges dans Jérusalem. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Nous allons au psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses œuvres, ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Qu'est-ce que les ministres de Dieu font? Les serviteurs de Dieu font, ils font la volonté du Seigneur, ils servent le Seigneur. Et le verset 22 dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Psaume 104, verset 4. Il fait des vents, ses messagers,
et des flammes de feu, ses serviteurs. Ils sont les messagers de Dieu, les ministres de Dieu qui servent le Seigneur. Psaume 105, verset 17. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Et puis, il a servi tout l'Égypte. Il a servi toutes les nations environnantes. Verset 22. Afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna, c'est le service qu'il a rendu, et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Verset 26 dit, il envoya Moïse, son serviteur. C'est le Moïse là qui a servi le Seigneur, et il a servi les enfants d'Israël. Et il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Alors au psaume 106, verset 3. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Si nous allons servir le Seigneur, si nous allons servir l'Église, il faut qu'il y ait la justice pratique. Et il faut qu'il y ait une justice continuelle. Et cela à tout moment. Et ça dit que heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Et le verset 30 et verset 23, verset 23. Verset 23. Et il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Voilà le verset 30. Verset 30. Phiné se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. C'est ainsi Phiné a servi la nation d'Israël. Verset 31. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Le dernier verset, verset 48 dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Et comme nous avons parcouru ces chapitres et ces versets, on voit l'accent qui porte sur le service du Seigneur. Alors ce qui est approprié pour vous et pour moi, comme nous venons à ce développement des dirigeants, comme on voit tous les domaines et les divers aspects révélés dans les psaumes, comment il faut servir le Seigneur de façon acceptable, de façon profitable, de façon juste et avec focalisation pour plaire au Seigneur en toutes choses et à tout moment, et servir le Seigneur de manière à avoir un service récompensable. Je prie qu'il vous récompense au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points ici. Et premier point, c'est l'appel et le caractère des ministres qui servent le Seigneur. Le Seigneur a dû nous appeler et nous a appelés au service. Et nous devons avoir un caractère approprié en servant le Seigneur. Deuxième point, c'est la consécration et la fermeté. La consécration n'est pas seulement que je me suis consacré 20 ans passés et je me rappelle le zèle et la passion et l'engagement, la soumission totale. Maintenant, j'ai abandonné. Il faut qu'il y ait la fermeté, la consistance. Il faut qu'il y ait avec cette consécration, la consécration et la fermeté des messagers qui servent le Seigneur. Troisième point, c'est la conscience et l'application. La conscience et le sérieux, la conscience et le zèle. Des modèles qui ont servi le Seigneur. Alors, dans le passage que nous allons voir, il nous a donné des modèles. Il nous a donné Joseph, il nous a donné Moïse, il nous a donné Phiné. Ils sont des modèles, des serviteurs du Seigneur. Et nous suivons leur conscience et leur application comme ils ont servi le Seigneur. Allons au premier point. Premier point, c'est l'appel et le caractère des ministres qui servent le Seigneur. Vous allez voir quelque chose ici. Et
première partie, on a psaume 100 et psaume 101. Dans deuxième point, c'est psaume 2 et psaume 103. Et troisième point, c'est psaume 104, psaume 105 et psaume 106. Qu'il y ait une consistance, une fermeté. Comme on voit la parole de Dieu, on ne dit pas ce qu'on veut dire sans faire référence à la Bible et sans nous ancrer dans la Bible. Et voyons ceci maintenant, l'appel et le caractère des ministres qui servent le Seigneur. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Et le verset 3 nous dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Voyons psaume 101, verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Avec les ouvriers, oui, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Nous devons avoir plus de terrain. Nous devons aller vers les régions lointaines, pas à rassembler n'importe qui. Mais j'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'il demeure auprès de moi, à l'instar de Jésus-Christ qui a choisi les douze afin qu'ils soient avec lui et qu'il les envoie évangéliser. Alors, pour qu'ils demeurent auprès de moi, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Alors, il faut la qualification pour le service, il faut le caractère, il faut le style de vie, le comportement de vie des gens qui vont servir le Seigneur. Nous allons voir trois points ici. Numéro 1, c'est le commandement de prêcher et de servir le Seigneur. Numéro 2, c'est le caractère des ministres et des serviteurs du Seigneur. 3, c'est la conséquence des mercenaires en service pour le Seigneur. Voyons la première partie numéro 1 ici, c'est le commandement de prêcher et de servir le Seigneur. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie, c'est le commandement. Alors il ne nous donne pas une option, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, si tu veux servir le Seigneur, d'accord, si tu ne veux pas, d'accord, ça ne va pas. Alors, il y a un commandement et il dit, servez l'Éternel, un impératif. Et il nous dit comment il faut le servir. Et c'est dit avec joie. Pas que quelqu'un me pousse, ce n'est pas que quelqu'un t'encourage que tu dois le faire. Après tout, tu connais la Bible. Après tout, tu viens à l'église. Il y a un fort longtemps, quand ne le fais-tu pas, il dit, mais il faut venir avec ton cœur et offre ton service au Seigneur gaiement et avec joie. Et tu te réjouis lorsque tu viens devant sa présence. Venez avec allégresse en sa présence. Et le verset 3 nous dit ici. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est pourquoi tu le sers. Tu vois combien il est grand, combien il est élevé, combien il est saint. Et parce que tu sais ses attributs, parce que tu connais son caractère, parce que tu connais sa majesté, parce que tu connais son exaltation, à cause de tout cela, tu sais cela et cela affecte ton service. Alors, c'est dit que, et celui qui nous a fait, sans lui, il n'y a pas d'existence, sans lui, il n'y a pas de vie. Donc, s'il me donne la vie, s'il me donne l'habileté, s'il me donne la capacité, tout lui appartient, donc je lui retourne cela. Et c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. On va à Deutéronome 10, verset 12. Alors, on suit le commandement qu'il nous a donné. Et le commandement est de servir l'Éternel. Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, c'est de l'honorer, c'est de le révérer, c'est de le tenir en haute estime, et ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Il n'y a pas de réserve. Oui, tu ne retiens rien de lui. Je ne vais pas donner ceci à Dieu. Je vais utiliser ce temps-là pour moi-même. Je ne vais pas donner ce temps-là
à Dieu. Je vais l'utiliser pour moi-même. Je ne vais pas donner cette capacité à Dieu, c'est à moi-même. Mais c'est dit que vous serviez l'Éternel sans réserve. Alors, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et c'est dit au verset 13. 13 dit, « Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Lorsqu'on fait cela, c'est pour notre bonheur. Il nous dit en Luc 4, verset 8, les vraies paroles de Jésus-Christ. Lorsque Satan le tentait, alors il dit que Christ se prosterne à lui afin qu'il donne les royaumes de ce monde. Et Jésus lui répondit, il est écrit, et il dit que, il lui a dit, arrête de moi Satan. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu le serviras lui seul. Le service que vous rendez au Seigneur, alors c'est un service spécial, un service exceptionnel, un service qui est extraordinaire. Vous lui donnez un service qui va au-delà de tout service que vous pourrez rendre à une organisation dans le monde. Et c'est dit que et tu le serviras lui seul. C'est le commandement de servir le Seigneur. Et la deuxième partie ici, nous allons voir ici le caractère des ministres et des serviteurs du Seigneur. Le caractère. Vous savez, l'œuvre de Dieu exige bien d'ouvriers. Cela ne veut pas dire qu'on doit appeler n'importe qui, que les gens soient sauvés ou pas, ou bien qu'on les garde à l'église, s'ils sont sanctifiés ou pas, seulement nous les laissons là-bas, on les positionne là-bas, ou bien on voit la tendance que certains couvrent des lieux où on fait d'eux des pasteurs, des évêques. On dit, mais vie profonde, qu'est-ce que tu fais? Oui, nos frères vont à ce lieu et cherchent des positions. Alors faisons la même chose. On ne peut pas faire la même chose, non? Parce que il y a une attente, il y a une qualité de vie qu'un ouvrier doit avoir. Donc, nous avons le caractère des ministres et des serviteurs du Seigneur. Vu que vous voyez, Psaume 101, verset 2. Je prendrai garde à la voie droite. Alors, quand viendras-tu à moi? Voici quelqu'un qui a sa position et dans le royaume de Dieu. Dieu a dit que j'ai trouvé David, un homme qui accomplira tous mes plaisirs, mes volontés. Du moins, alors, il était royal. Personne qui rivalise avec lui. Mais il sait bien que s'il doit rester en faveur avec Dieu, il dit que je me prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Ouais, il y a l'intégrité qui est dit ici. Il y a la voie droite et puis l'intégrité. 3 dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Il était roi, il était libre, et il avait l'autorité. Il n'y a personne qui soit dessus de lui. Mais il a dit, mais que Dieu veille sur moi, Dieu voit tout. Et alors il voit tout ce que je fais à cause de cela. Il dit que je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le verset 4 nous dit, le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas reconnaître, je ne veux pas approuver, je ne veux pas connaître le méchant. Si vous êtes un véritable dirigeant, un vrai pasteur, alors vous n'allez pas regarder les talents, vous n'allez pas regarder les dons des gens. Vous allez voir, vous allez chercher d'abord les expériences chrétiennes et la vie de la personne, une vie honnête, une vie transparente. Vous ne dites pas que oui, on sait qu'il est rétrograde, on sait qu'il ne mène pas une bonne vie, on sait qu'il ne
il ne possède pas la sainteté personnelle. Et sa relation avec les gens, on sait que vraiment tout est bancal et il est séduit. Cette personne est séduisante, mais c'est une personne talentueuse. Mais on ne voit pas cela, on voit le caractère des ministres et des serviteurs de Dieu. Et dit ici que j'aurai la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera pas à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le méchant. Et le verset 5 dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai, je l'ôterai, je l'enlèverai de ce lieu de travail. Alors, celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Je ne le laisserai pas. Voilà, le caractère vient avant le charisme. Le comportement vient avant l'habileté. Et puis, c'est Dieu verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Oui, lui-même a fait un vœu d'être fidèle. Il a prêté serment de marcher dans la voie parfaite parce que lui-même marchait et menait une vie en public et en secret, une voie et marchait dans une voie parfaite et dit que pour qu'il demeure auprès de moi, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Vous ne pouvez pas dire que je suis dirigeant et l'autre là n'est pas bon, vous l'enlevez. Et vous-même, vous n'êtes pas aussi meilleur que lui. Vous êtes un dirigeant indiscipliné, vous êtes imprudent, vous ne vous comportez pas comme un bon dirigeant. Quand on voit le langage de votre bouche, comment vous vous comportez, votre comportement en général, les gens savent que voici qui vous êtes. Mais vous prenez le statut du pasteur, l'autorité, la domination, le pouvoir et vous enlevez celui-ci, vous disciplinez celui-là et vous-même, vous ne marchez pas de façon intègre. Le psalmiste, le roi, le berger d'Israël, le dirigeant a dit que moi-même, je dois amener la discipline à ma vie. Je dois mener une bonne vie d'abord. Et après cela, si quelqu'un ne vit pas selon les normes de la parole de Dieu, alors j'aurai maintenant la responsabilité de l'enlever et puis conseiller la personne et aider la personne à bien mener une bonne vie et marcher dans une voie droite. Je prie que le Seigneur fasse de nous des gens fidèles à sa parole au nom de Jésus-Christ. Voyons, 1 Corinthiens 4, verset 1. 1 Corinthiens 4, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et le verset 2 nous dit ici. Du reste, ce qu'on demande, ce qu'on exige, voici une obligation. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Il ne sait pas que tu viens. Et puis, tu te présentes devant lui. Alors, il ne sait pas que tu viens. Et puis, aussitôt tu viens, tu es trouvé fidèle. Il ne sait pas que tu viens de la famille. Et puis, tu tapes à la porte et tu n'as pas entendu des arguments, mais seulement tu as vu qu'ils sont fidèles dans leur famille, il n'y a pas de querelle. Ils ne savent pas que tu vas venir à leur réception après les noces de leur enfant. Et tu es arrivé comme ça, sans préavis, et tu les as trouvés fidèles, fidèles à ce qu'on enseigne, fidèles à ce que lui-même a enseigné. 1 Timothée 3, 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Verset 2, voici le caractère. Il faut donc que l'évêque, que le pasteur, que le dirigeant, que le leader soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré et non frivole et non imprudent et non un plaisantin. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, ouais, la personne non seulement
les paroles de la personne. Mais vous voyez les gesticulations, vous voyez le sérieux, vous voyez la personnalité de la personne. C'est la personnalité qui donne le poids à ce que la personne dit. Donc c'est dit, il faut donc que l'évêque qui doit parler au pécheur afin qu'il se repente et qu'il ait la conviction d'aller au ciel, une personne qui veut parler aux membres de l'église pour qu'ils prennent la parole de Dieu au sérieux et ils se mettent à genoux et qu'ils prient et qu'ils rendent leur vie en bon homme avec le Seigneur. Alors, il doit avoir la conduite, le caractère, la disposition d'être sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Et puis c'est dit, verset 3, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Quelqu'un vous parle et dit qu'il est pasteur, vous pouvez voir, vous pouvez percevoir l'odeur de la bière, de l'alcool. Vous pouvez, alors, vous n'espérez pas cela de lui. Peut-être il peut savoir que mais vous croyez que peut-être c'est mon nez qui me dérange. Je vais dire, mon frère, est-ce que tu as pris de l'alcool? Il dit que, pourquoi tu demandes? Nous sommes sauvés par la grâce. Et la grâce de Dieu couvre tout ce qu'on fait. Mais tu n'as pas répondu à la question. Est-ce que tu bois l'alcool? Ou bien tu prends la bière? Mais pourquoi tu me demandes? Est-ce que tu me juges? La façon dont il esquive la question, ça veut dire qu'il fait cela et il en est honte. Il ne peut pas confirmer qu'il fait cela. Et c'est dit que si tu veux être un dirigeant et tu n'es pas violent et tu n'es pas quelqu'un qui se donne au vin, tu n'es pas quelqu'un qui a une mauvaise conduite, mais c'est quelqu'un qui est indulgent, pacifique et désintéressé. Et le 4, verset 4 dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Sa maison est calme, sa maison est pacifique, sa maison est ordonnée. Les membres de la famille, ils ont le respect pour lui parce qu'ils voient sa fermeté, ils voient sa stabilité, ils voient sa vie sainte et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, si un homme ne peut pas sinon garder sa femme qui doit vivre avec lui, si un homme ne peut pas garder ses enfants sous contrôle, ses enfants adolescents qui sont sous sa tutelle, mais il ne sait pas comment diriger sa maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Et le verset 6 dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, pas celui qui vient de naître de nouveau, il n'a pas fait des expériences. Il dit que les gens de ton église font des pasteurs, des gens comme nous, et puis il y a des églises qui font des gens comme nous, des ouvriers, qu'est-ce que la vie profonde fait s'ils ne changent pas pour nous donner des positions? Ces vieilles personnes là, ils m'appellent, ils se réfèrent à moi que comme une vieille personne, ils restent là-bas quand notre tour, quand sera notre tour. Alors c'est dit qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, quelqu'un qui a des expériences dans l'œuvre, qui a fait des expériences dans la grâce de Dieu, qui a ses expériences à diriger l'église de Dieu des expériences chrétiennes, celui qui a l'énergie dans l'œuvre du Seigneur. Ce sont des gens là qui seront des dirigeants. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Le verset 7 dit, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Je prie que le Seigneur nous aide à garder les normes à tout moment, quel que soit ce que font les autres dénominations et églises, au nom de Jésus-Christ. Cette âme-là est faible. Et troisième partie ici, nous allons voir la conséquence des mercenaires en service pour le Seigneur. C'est quoi, mercenaires? Les gens qui sont là pour ce qu'ils peuvent gagner. Les gens qui sont là
pour une rémunération. Les gens qui sont là pour un gain du service sont des mercenaires. Quelle est la conséquence? Une grande conséquence. Voilà le cas de Akan. Akan a fait coûter 36 vies aux enfants d'Israël. Il est allé à la guerre. Oui, avec les gens. On ne savait pas que Akan était là. Mais ça a causé une grande conséquence, une grande perte. Voilà, Judas, vous rappelez bien Judas Iscariot. Mais Judas Iscariot, oui, il fut l'un des ouvriers que Jésus-Christ avait choisi. Et secrètement, oui, il avait des connexions. Il y a plus de connexions, plus de contacts et plus d'attachement avec les ennemis de Christ, plus que Christ lui-même. Vous vous rappelez bien, et Jéroboam. Jéroboam, et ce fut lui que le Seigneur a donné à 10 royaumes. Il dit que pour que ces gens-là n'aillent pas adorer à Jérusalem et que leur cœur, que leur pensée ne se tourne pas vers la maison de David, à cause de cela, il a dit, regardez votre Dieu, ô Israël. Et puis, il a érigé des idoles pour eux, à une idole à Bethel et une idole aussi à Dan. Le Seigneur nous dit que c'est une grande perte lorsqu'on met des gens en position, des gens qui ne sont pas convertis, les gens qui n'ont pas le caractère, les gens qui n'ont pas la consécration, les gens qui n'ont pas cette consistance, cette fermeté, et on les met là-bas pour servir et pour travailler. C'est vraiment une grande perte pour le royaume de Dieu. Alors, au psaume 101, verset 7. Celui qui livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Et le verset 8 dit, Chaque matin j'anéantirai, je détruirai, j'ôterai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Ainsi David disait qu'il va exterminer ces méchants de la ville de l'Éternel et l'Église. Pourquoi nous laissons des rétrogrades, un rétrograde qui est un chef là-bas, on laisse un calomniateur qui est un pasteur là-bas, on laisse un pasteur, un menteur perpétuel même. Et celui qui fait du maçon sa vie, pourquoi on le laisse dans le service du Seigneur? David a dit qu'il les exterminera de la ville du Seigneur. Alors on ne doit pas, il ne doit pas se trouver des gens qui prêchent la repentance aux gens qui ne sont pas repentis. Il ne doit pas se trouver des gens qui prêchent la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ils prêchent cela aux autres, alors qu'eux-mêmes ne se sont pas sanctifiés, n'ont pas la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons être vigilants. Malachie chapitre 2, verset 8. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Quelle en est la conséquence? Nous allons au verset 12. L'Éternel retranchera l'homme. L'Éternel retranchera la personne, l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond. Il retranchera des tentes de Jacob et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Lorsqu'on ne garde pas le cœur, la sainteté, la pureté, la sanctification et le comportement d'une personne, d'un ministre appelé commissionné. Galates 5, 7. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Paul les a bien enseignés. Il y a d'autres qui sont arrivés leur prêcher. Ils ont confondu les Galates. Il dit Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de moi.
de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Verset 12. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Ils vous troublent avec la fausse doctrine. Ils vous troublent avec une vie licencieuse, une vie libertine. Et que vous êtes sauvés par la grâce. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quel que soit votre style de vie. Paul dit que ces gens seront retranchés. Nous allons au deuxième point. La consécration et la fermeté des messagers qui servent le Seigneur. Quel type de consécration devons-nous avoir et quelle consistance ou quelle fermeté devons-nous avoir? Nous allons au psaume 102, verset 21. Psaume 102, verset 21. Pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui font périr. Verset 22. Afin qu'ils publient dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Si nous sommes serviteurs du Seigneur, nous devons faire sa volonté et non notre volonté. On fait sa volonté et non ce que nous on veut faire. Et 22 dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Il nous a recréés, il nous a remodelés, nous sommes son ouvrage. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Comme on voit la consécration et la fermeté des messagers qui servent le Seigneur. Alors nous allons voir trois points ici. Numéro 1, il y a les messagers consistants qui déclarent sa prophétie. Les messagers consistants qui déclarent sa prophétie. Numéro 2, les ministres consacrés qui font sa volonté. Les ministres consacrés qui font sa volonté. Numéro 3, les bouches bridées qui délivrent ses préceptes. Voyons la première partie. Les messagers consistants qui déclarent sa prophétie. Nous allons au psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Il donne les anges qu'il a envoyés du ciel et alors pour servir, et il a envoyé un ange à la maman de Samson et que va vers Gédéon, que je peux faire cela, et que va à Daniel lui montrer les choses à venir, la prophétie concernant le peuple d'Israël. Non, je ne vais pas le faire. Alors, va à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, ou bien va à Marie et aux anges de déclarer ce que la prophétie que le Seigneur veut faire. Les anges ne disent jamais non. Chaque fois, ils font ce que Dieu dit. Ils ne disent jamais non à Dieu. Et c'est une illustration pour vous et pour moi. Un exemple pour vous et pour moi. Que quand Dieu envoie ou que Dieu nous envoie, alors nous déclarons la parole et nous en sommes consistants. Alors on est consistant à déclarer la parole, la proclamation du Seigneur. Déjà, on a vu Luc 1, là où l'ange est allé à Zacharie. Voyons Hébreux chapitre 2, verset 2. Car si la parole annoncée par des anges
a eu son effet. Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Et le verset 3 dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Jude 1, ces anges qui ne sont pas consistants à faire la volonté de Dieu, alors iront à des lieux que le Seigneur que le Seigneur leur a destiné. Ouais. Ces anges ont dévié de leur devoir et de leur responsabilité. Et Jude 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enseigné et enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Cela nous a donné un exemple. Si Dieu sera content de nous, en tant que serviteurs et ministres du Seigneur, nous devons faire ce à quoi il nous a appelé de faire. Et on fait cela, continuellement. Il n'y a pas d'excuse à dire que je suis faible maintenant, je suis découragé maintenant, à tout moment. Alors, nous avons l'appel du Seigneur et nous nous plongeons dans la responsabilité que le Seigneur nous a confié. Et comme ils étaient consistants et fermes, et il allait dans la force du Seigneur, alors nous aussi nous devons être fermes, consistants à servir le Seigneur, et nous prêchons dans la force du Seigneur, dans la grâce et dans la puissance de l'Esprit que le Seigneur nous a donné. Nous allons voir deuxième partie, c'est les ministres consacrés qui font sa volonté. Psaume 103, verset 21. Psaume 103, verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Avez-vous jamais pensé à cela? Que vous n'allez pas faire ce que vous plaît? Que vous fassiez ce qui plaise à Dieu à tout moment? Est-ce que vous dirigez une cellule de maison? Est-ce que vous dirigez une église locale, ou bien vous êtes un pasteur régional, ou bien vous êtes un pasteur national? Dieu vous a-t-il donné une responsabilité personnelle? C'est pourquoi vous êtes appelé dirigeant dans l'église. Donc vous devez faire sa volonté. Les tentations peuvent surgir de faire votre volonté. Oui, l'impulsion de la chair pourrait être là, vous poussant à faire votre volonté. Il y a quelque chose qui puisse venir à votre esprit, vous poussant à faire votre volonté. Si vous êtes un véritable ministre, un véritable serviteur de Dieu qui plaît à Dieu, à tout moment, vous allez dire, non, ça c'est une tentation. Alors, ne cédez pas à la tentation, car céder c'est péché. Alors, vous allez vouloir faire sa volonté à tout moment, afin que vous demeuriez un favori, un ministre fidèle du Seigneur à tout moment. Le verset 22. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Voyons. Ésaïe 44. Verset 28. Qui dit, je dis de Cyrus, il est mon berger. C'est Dieu qui parle ici, qui parle de quelqu'un qu'il a choisi. Et il accomplira toute ma volonté. Il ne veut pas se plaire. Et je le connais, je le reconnais, et je l'ai choisi. Et je l'ai positionné, je l'ai mis là où il doit être. Il ne sera pas une personne qui se complaît. Il n'est pas une personne qui plaît aux hommes autour de lui, mais il va tout faire et il va s'efforcer de faire ma volonté. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Galates 1,
Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il y a des gens qui ont perdu de focalisation, ils ont perdu leur courage, ils n'ont plus de conviction, il y a assez de pression sur eux, et les gens autour d'eux font pression sur eux, ils veulent modérer ce qu'ils prêchent, ils veulent modérer là où ils doivent aller, ils veulent modérer leur vie, ce qu'ils font, et parce qu'ils voient que s'ils continuent de souligner la parole de Dieu, eux là, ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas changer. Donc, ils veulent maintenant faire pression sur le prédicateur afin que le prédicateur fasse leur volonté. Alors, ils veulent le reconditionner afin de compromettre. Mais si vous êtes un véritable enfant de Dieu, un véritable ministre de l'Évangile, vous devez comprendre que la persécution vient avec la fidélité. Si vous êtes fidèle, il pourrait avoir la persécution. Donc, vous n'allez pas fléchir, vous n'allez pas céder, vous n'allez pas sinon succomber pour plaire aux hommes. Vous allez plaire au Seigneur à tout moment. Pourquoi? Parce que le Seigneur est plus élevé que tous les hommes ensemble. Pourquoi vous allez plaire le Seigneur à tout moment? Parce que le Seigneur est le juge final, l'ultime juge qui évaluera ce que vous aurez fait, que ce soit le bien ou le mal, que vous soyez totalement consacré à lui ou pas. Et les souffrances que vous pourrez avoir maintenant, dans ce court moment, oui, n'est rien à comparer à la souffrance en enfer. Si vous compromettez que vous n'allez pas au ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que, quant à lui, il disait que est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je prie que la consistance, l'énergie, la fermeté de continuer de plaire au Seigneur en doctrine, en décision, en dévouement, en dévotion au Seigneur, cette fermeté que le Seigneur l'accorde à chacun de nous, qui continue de nous l'accorder tous les jours de notre vie au nom de Jésus-Christ. Ok, qu'il me le donne. Alors, toute l'énergie, toute la force, toute la fermeté dont j'ai besoin pour voyager, qu'il me le donne au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pour cet Amen. Un autre Amen fera bien l'affaire. La troisième partie ici, les bouches bridées qui délivrent ses préceptes. Les bouches bridées. La bouche d'un ministre qui dit que je consacre cette bouche à cette œuvre. Et je ne vais pas utiliser la même bouche pour cette œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? La main qui dit que tout ce que j'écris, tout ce que je projette, tout plan que j'écris sera pour le Seigneur. Je ne vais pas utiliser ma main pour Dieu et en même temps pour Satan. Mais deux jours après, pour le projet du monde, je consacre, j'engage ma bouche, je voue ma bouche, mon message au Seigneur. Oui, les bouches bridées qui délivrent ses préceptes. On va à Ézéchiel 3. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel 3, 26. Ézéchiel 3, 26. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Dieu parlait à Ézéchiel que je t'ai nommé sentinelle, j'ai besoin de ta bouche pour moi seul. Lorsque j'ai un message, alors je vais
utiliser ta bouche. Si je n'ai pas de message pour les gens, alors je ferme ta bouche. Alors je ferme ta bouche et puis je bride ta bouche pour déclarer uniquement ma parole. Et voyons encore cela. J'attacherai ta langue à ton palais. Le Seigneur va attacher ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Voyons le verset 27. Mais quand je te parlerai, lorsque j'ai un message, lorsque je t'envoie avec ce message aux enfants d'Israël, mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Le Seigneur nous dit que notre bouche, notre force, notre talent, notre habileté, tout doit être utilisé à déclarer sa parole. Maintenant, si vous êtes prédicateur, vous savez que vous allez prêcher. Peut-être à la croisade le soir, mais au cours de la journée, du matin jusqu'au temps de la prédication, vous êtes ici et là, et vous déployez vos efforts, vous parlez, vous allez à une réunion de famille, vous allez à un autre programme, vous parlez. Au moment maintenant, et vous devez évangéliser maintenant le soir, prêcher un message d'évangélisation. Vous voulez vous prendre la Bible, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas qualifié, votre bouche doit être bridée, confinée. Peut-être vous venez à l'église, vous allez prier le dimanche et dans la voiture, il y a une affaire que vous n'avez pas discuté à la maison avec votre femme ou bien avec votre famille. Et alors l'affaire se met sur le tapis et dit que non, c'est comme ça, non, c'est pas comme ça. Alors c'est presque, tu as presque perdu ton temps. Tempérament, ton sang-froid. Alors, arrivé là au garage, tu as dit que d'accord, après tout, ouais, on va continuer après tout. Alors, je n'ai pas encore fini. Alors, et puis arrivé, et là, on t'appelle de venir enseigner le sondage, ou bien le sonder, ou bien de prêcher, et tu viens parler. Ça n'a pas d'onction, ça n'a pas d'inspiration, tout est faible. Alors tu dois savoir quand il faut garder la bouche, quand il faut te préparer pour la grande œuvre que tu feras. Et le Seigneur fera de vous un ouvrier efficace au nom de Jésus-Christ. Alors, au troisième point, c'est la conscience et l'application des modèles qui ont servi le Seigneur. Nous allons voir trois points ici. Il y a la flamme exceptionnelle d'un ministre convaincu. Deux, l'impeccabilité essentielle d'un messager consciencieux. L'impeccabilité essentielle d'un messager convaincu. 3. La fidélité exemplaire d'un Moïse courageux. Numéro 1 ici, c'est la flamme exceptionnelle d'un ministre convaincu. Psaume 104, verset 4. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Il fait d'eux. Alors, si le Seigneur a fait cela, lorsque nous parlons, nos paroles ne seront pas des paroles insipides, des paroles sans saveur, des paroles sans un point acerbe. Nos paroles doivent briser le cœur des pécheurs qui nous écoutent et les amener à la conviction et à la repentance. Même les croyants imprudents, lorsque nous avons la flamme de feu, cela doit les convaincre, cela doit les amener à comprendre que je ne suis pas là où je dois être, je dois avancer. Allons au psaume 106.
verset 29. Ils irritaient l'Éternel par leur action. Cela parle des enfants d'Israël. Et une plaie fit irruption parmi eux. Verset 30. Verset 30. On parle de Phiné. Phiné se leva pour intervenir. Et la plaie s'arrêta. Verset 31. 31 dit. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération. Ce qui était arrivé, c'est que Balaam essayait de maudire les enfants d'Israël, mais il n'a pas réussi. Donc, il a enseigné à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. Et puis, ils sont allés vers les femmes de Moab. Ils ont commis ils ont fait des pratiques abominables avec eux. Et il y avait eux, après que la plaie a fait irruption, étant une résultante de leur prière, de leur péché contre Dieu. Alors, il y a un homme téméraire qui est venu avec une femme madianite sans faire cas du jugement qui s'est abattu sur la nation à cause du péché d'immoralité et de la débauche. Et Phiné a pris une lance, un javelot, alors avec, il était irrité, et puis il est allé frapper l'homme et la femme avec le zèle du Seigneur. C'est ce à quoi le Seigneur se référait. Et comme, parce qu'il a montré cette flamme de feu, cette furie et cette chaleur contre eux à cause de ce zèle que je lui donnerai une récompense. Acte 2, verset 3. Acte chapitre 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. La promesse est que vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Et maintenant, le Saint-Esprit est venu sur eux et le feu du Saint-Esprit est descendu sur eux. Et Pierre, qui était peureux, et Pierre, qui a renié le Seigneur auparavant, amena à cause du feu du Saint-Esprit, il les a doigtés et leur a prêché la parole. Il a dit que vous avez crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils avaient le cœur totalement frappé. Si nous disons que nous sommes remplis, baptisés, nous sommes immergés dans le Saint-Esprit, nos paroles, nos messages et notre déclaration doivent apporter la conviction au cœur des gens à qui nous parlons. Le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 36, 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Ils avaient le feu du Saint-Esprit. Le Seigneur a fait de lui un feu, une flamme de feu. Et après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ?» Et le verset 38, et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 41. Verset 41, il nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Oui, ceux qui sont restés sont demeurés et n'ont pas dit que nous avons donné notre vie à Jésus, mais n'allons pas persévérer, n'allons pas demeurer. La parole est entrée en eux. La parole les a coués. Ils sont venus au Seigneur et ils sont restés avec le Seigneur. Nous allons voir la deuxième partie ici.
que l'impeccabilité essentielle d'un messager consciencieux. Psaume 105, verset 17. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. Verset 22, parlant de ce Joseph, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Connaissez la vie de ce Joseph. Lorsqu'il était dans la maison de Potiphar et lorsqu'il était en prison et lorsqu'il a comparu devant Pharaon, tout ce qu'il a fait, on ne peut pas trouver une faute. Genèse 39, verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Vous connaissez bien l'histoire et n'allez pas commettre le mal, le péché. Et les gens qui disent que nous sommes serviteurs du Seigneur, et des gens qui se disent aujourd'hui qu'ils sont ministres du Seigneur. Alors, la même impeccabilité, l'affranchissement du péché est requise, ou bien est requis de vous et de moi. Voyons, on va à Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés dans les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Voilà le verset 5. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Il n'y a pas de séduction, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de duplicité, car ils sont irrépréhensibles. Et le Seigneur qui a donné à Joseph, Enoch, Daniel et les saints d'autrefois, Paul, Pierre, le Seigneur qui leur a donné une vie sans faute, une vie sans un péché continuel, la même grâce est disponible. Il vous l'accordera, il me l'accordera et nous l'accordera au nom de Jésus-Christ. Jude 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. 24 nous dit, oh, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Et le verset 25 dit, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Troisième partie ici, la fidélité exemplaire de Moïse courageux. Allons au psaume 106, verset 16. Psaume 106, verset 16. Il se montrait dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. Nous avons appris, ces dirigeants, vous connaissez bien de choses sur Moïse, comment par la foi, il a persévéré, il a tout enduré, il a tout fait par la foi, comme voyant l'invisible. Et on nous a parlé du fait que Moïse était fidèle. Que le Seigneur fasse de chacun de nous des gens fidèles au nom de Jésus-Christ. Nombre 12, 7.
Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Que Dieu ait son témoignage de vous. Que vous soyez fidèle. Je dis que vous soyez fidèle. Vous serez fidèle. Je serai fidèle. Le Seigneur vous accordera toute la grâce dont vous aurez besoin jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Notre sauveur les vaincra. Chaque ennemi, il le vaincra. Chaque antagoniste au ministère que le Seigneur nous a donné, l'agneau vaincra toute opposition au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, est-ce que vous êtes appelés, les élus, est-ce que vous êtes élus et les fidèles? Les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Je prie que Dieu aide chacun de nous à nous examiner de nouveau et à nous plonger dans le sang de l'agneau qui lave, qui purifie, qui remplit le blanc que la neige, afin que dans les choses moindres, dans les choses temporelles, dans les grandes choses et dans les choses de valeur éternelle et dans toutes choses, les moindres et grandes choses, que nous demeurions fidèles au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes avec les hommes en privé, avec les femmes en privé ou bien en public, lorsque nous prêchons, lorsque nous prions, lorsqu'on fait quelque chose, que soient les membres de l'église soient là ou pas, ou bien que nos disciples soient là ou pas, ou bien que ceux qui peuvent évaluer ce qu'on fait, qu'ils soient là ou pas, que nous demeurions fidèles. Dans l'assemblée, que nous soyons fidèles. À l'église, nous serons fidèles. Dans la famille, nous serons fidèles. Et dans le ministère, tout ce que le Seigneur nous a enseigné et nous a dit d'aller donner au peuple de Dieu, alors nous demeurerons fidèles, nous serons fidèles comme Moïse, même plus fidèles que lui au nom de Jésus-Christ. Vous êtes là? Est-ce que vous allez demander de la grâce pour être fidèle? Pourquoi ne pas vous lever pour dire au Seigneur, « Seigneur, aide-moi. » Tout ce que j'ai appris aujourd'hui, « Seigneur, aide-moi. » Il nous a appelés, le Seigneur nous a commissionnés afin de le servir. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Dites au Seigneur ce que nous avons après, vous ne pouvez pas obéir à moins que vous n'ayez la grâce de Dieu. Ce que vous avez appris, on ne peut pas y obéir à moins qu'on ait la force et l'énergie du Seigneur. Parlez au Seigneur. Reconnaissez votre appel. Reconnaissez la commission que le Seigneur lui-même vous a donnée. Alors vous dites au Seigneur, je vais prendre cet appel, je vais prendre cette commission au sérieux et je vais poursuivre cela de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Je veux reconnaître que servir le Seigneur est un commandement, que c'est une commission. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Êtes-vous pasteur? Il faut reconnaître votre appel. Il faut reconnaître votre commission. Il faut reconnaître la grande commission qu'il vous a donnée. Seigneur, je vais le faire. Alors, soumettez à lui tout votre talent, vos dons, votre habileté, votre engagement. Donnez la première place de votre cœur au Seigneur. Le commandement de prêcher et de servir le Seigneur. Un commandement doit être obéi. Et lorsqu'on désobéit au commandement,
là on pêche. Et quand on vit en désobéissance au commandement du Seigneur, le commandement de servir, le commandement de prêcher, le commandement de servir le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, si on ne donne pas tout ce qu'on a dans le service du Seigneur, donc c'est une désobéissance par rapport au commandement du Seigneur. Parlez au Seigneur de vous réveiller, qu'il réveille votre conscience, qu'il ranime votre conscience. Et vous dites, Seigneur, j'ai encore entendu, je serai fidèle, j'ai encore entendu, je serai dirigeant, j'ai encore entendu. Alors, je me reconsacre à nouveau. Je consacre à nouveau à l'appel que tu m'as donné. Et je me soumets totalement à toi. Rappelez-vous le caractère du ministre et la consistance, la fermeté dans ce caractère. Que comme le psalmiste a dit, que je vais mener une vie intègre. Mon commandement doit aller de pair avec le commandement du Seigneur. Parler au Seigneur. Le langage de ma bouche, les actions de ma main, et l'opération de mes dons, les choses que je fais, je vais me comporter de façon agréable. Je ne vais pas dire des choses mauvaises. Je ne verrai pas des choses mauvaises devant moi. Que les gens me voient ou pas. Que les gens me connaissent ou pas. Ma fidélité, mon obéissance à ta parole doit être transparente. Parce que je sais que tu me vois à tout moment. Et rappelez-vous la perte des mercenaires, la conséquence des mercenaires, les gens qui sont là. Et ils n'atteignent pas l'objectif de l'évangile, ils n'atteignent pas le but d'amener les âmes dans le royaume. Alors l'objectif d'amener les pécheurs à se repentir, les rétrogrades à venir au Seigneur, et l'objectif d'affermir les enfants de Dieu, les mercenaires ne sont pas là pour cela. Oui, la perte, la conséquence d'avoir un Nathan dans l'équipe et la conséquence d'avoir un Judas Iscariot dans l'équipe. Parlez au Seigneur. Je serai un véritable disciple. Je serai un disciple très soumis à toi. Je serai un disciple totalement abandonné à toi. Un disciple livré à toi. Je ne permettrai pas à l'œuvre de la chair d'avoir une influence abominable sur ma vie. Sauvé en marchant dans la sainteté, sanctifié en menant une vie de sainteté transparente, aide-moi Seigneur. Je ne serai pas un séducteur, je ne serai pas un hypocrite, je ne serai pas un Judas Iscariot. Je ne serai pas un rétrograde. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Examinez voir à nouveau votre consécration. Il faut examiner à nouveau votre fermeté,
en tout mettant sur l'autel. Votre consécration aujourd'hui est-elle plus élevée que celle de 10, 20, 30 ans passés? Est-ce que vous êtes consistant, ferme, inébranlable dans le service du Seigneur? Est-ce que vous êtes juste, ferme, consistant, sincère? Est-ce que vous êtes soumis au Seigneur et aux dirigeants continuellement? Est-ce que vous appréciez la vérité que vous apprenez de façon consistante? Est-ce que vous marchez dans la lumière en menant une vie? Vous menez une vie dans la lumière, vous demeurez dans la lumière continuellement. Est-ce que vous rappelez à tout moment la parole que vous entendez? Est-ce que vous vivez selon cette parole sans permettre à un moment d'être perdu, sans permettre au message de s'évaporer de votre vie? Les ministres consacrés qui font sa volonté. Est-ce que vous faites la volonté du Seigneur? Ou bien vous êtes là pour faire votre volonté? Votre volonté? Et ce que vous aimez vous-même? Mais vous dites, Seigneur, je me consacre à nouveau à toi. Je me reconsacre à toi, ma vie, mon service. Et je me consacre à toute parole, à toute lettre de ta volonté, de ta parole, pour faire ta volonté. Je suis ici pour apprécier ta volonté. Si vous priez et vous en êtes sincère, le Seigneur vous donnera la consécration, la force, la fermeté, l'engagement solide et la parole de Dieu. Alors viendra en souvenir dans votre vie et vous allez pratiquer, vous allez faire sa volonté et vous allez accomplir sa volonté à tout moment. Et votre bouche sera confinée, bridée uniquement à son message, à son ministère. Vous n'allez pas donner votre bouche à ceci, à ci, à cela. Vous n'allez pas vous livrez à des choses contradictoires, des choses sales, des choses abominables. Mais votre bouche sera continuellement livrée à déclarer sa parole et à délivrer ses préceptes. Et vous allez prêcher avec conscience et avec application, diligence, avec zèle, avec passion. Tout votre cœur sera là. Tout votre esprit sera là. Et le Seigneur va approuver la façon dont vous vous laissez consciencieusement au service du Seigneur. Rappelez-vous ces exemples que nous avons, Joseph. Il était fidèle, sans faute. Comment pourrais-je faire pareille chose et pécher contre mon Dieu? Alors vous serez conscient de la sainteté à tout moment. Et tu feras de lui, tu feras d'elle, qui que soit la personne, quelle que soit la personne qui est l'objet de tentation, tu dis, mais
Je ne peux pas tuer cela. Je ne peux pas aller dans cette direction. Je ne peux pas me donner. Je ne peux pas laisser mon temps à cela. Vous êtes irrépréhensible. Vous serez comme une flamme de feu. Le feu du Saint-Esprit sera évident dans votre ministère. Et lorsque vous parlez aux pécheurs, une conviction de feu sera sur eux. Ils vont demander, que ferai-je pour qu'ils soient sauvés? Et vous allez inciter les croyants à avancer, à aller plus haut. Vous allez inciter, encourager les croyants afin que leur cœur, leur nature va vers Dieu, d'avoir la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous allez soupirer après cela vous-même. Vous allez conduire les autres à soupirer après cela. Et à l'instar de Finet, vous allez sinon traiter, détruire le péché pourvu que vous ne soyez pas pécheur vous-même. Et vous allez éliminer, anéantir la souillure qui veut s'infiltrer dans l'ensemble des enfants de Dieu. Il y aura le feu dans votre cœur, la passion dans votre cœur, le feu dans vos os. Vous ne serez pas un compromettant avec le péché, avec le mal, avec l'iniquité. Et comme Moïse, par la foi, était demeuré fidèle, de même, vous serez fidèle en moindre chose et en grande chose, dans les choses temporelles et dans les choses de valeur éternelle, fidèle à l'évangile, fidèle en piété. Vous serez un exemple vous-même aux autres. Un exemple impeccable. Un exemple. Pour un exemple dans un ministère enflammé comme une flamme de feu. Puisse le Seigneur confirmer cela dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur fasse de chacun de nous consistants, des gens consistants, qu'il fasse de chacun de nous consistants, consacrés et consciencieux au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce pour ce qu'on a appris aujourd'hui. Merci pour l'appel que tu nous as lancé. Merci pour la commission que tu nous as donnée. Nous prions, Seigneur, que notre cœur, que notre esprit, que notre âme, que notre force, que notre focalisation demeure sur cette commission sans regarder en arrière au nom de Jésus-Christ. Fais-nous rappeler à tout moment ton appel. Lorsque la tentation se présente d'être fatigué, découragé pour succomber et nous retirer, nous prions que ton esprit nous fasse rappeler cette grande commission et que nous continuions d'avancer au nom de Jésus-Christ. Et nous demandons, Seigneur, que l'engagement que tu espères, la consécration que tu espères et la consistance, la fermeté que tu attends et des ministres fidèles, que tu aies cela de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, comme nous te servons, que nous amenions l'honnêteté au service, notre cœur au service, la soumission au service du Seigneur,
et que nous ne soyons pas, n'ayons pas le cœur partagé, qu'on ne soit pas hypocrite de la façon dont nous te servons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en tant que tes messagers, que nous soyons consistants. En tant que tes messagers, que nous soyons engagés. En tant que tes messagers, que nous soyons consciencieux en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ton esprit vienne sur nous à nouveau et que le feu et que la puissance du Saint-Esprit s'occupent de la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Tu as promis de faire de tes ministres une flamme de feu. Nous prions, Seigneur, que cette disposition de feu comme Élie, que cette disposition de feu comme Jean-Baptiste, que cette disposition de feu d'anéantir le péché et écraser le péché, exterminer le péché comme fumée, soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'impeccabilité et l'absence de péché et l'affranchissement et la victoire sur le péché, petit péché, grand péché, péché ouvert, péché caché, péché habituel, quel que soit le péché, ce type de vie-là que tu as donné à Joseph et l'a dit que je ne pécherai pas, cette détermination-là, cette résolution, cette vie de discipline-là, accorde cela à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et la fidélité que tu as accordée à Moïse, même, quoique son frère de même parents que lui est compromis, même que Marie a la calomnié, même les enfants d'Israël, quoiqu'il ait compromis et se sont égarés, comme Moïse s'est présenté comme un personnage non compromettant, que cet esprit non compromettant soit accordé à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et comme nous demeurons non compromettants et fermes, nous serons en mesure d'intercéder proprement dit à ceux qui se sont en faveur de ceux qui se sont égarés, et tu seras en mesure de rendre témoignage, comme tu l'as dit de Moïse, que Moïse, mon serviteur, n'est pas pareil, il est fidèle dans toute ma maison. Tu seras en mesure de témoigner de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et cette œuvre du Seigneur, nous allons continuer de la faire sans regarder en arrière, sans nous retirer, sans compromission et sans découragement. Et que ton feu continue de brûler sur l'autel du cœur de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce parce que nous savons que tu as exaucé. Nous prions que nous n'attendions pas et que nous n'oublions pas, que nous n'attendions pas et que nous ne mettions pas la parole de côté. Mais comme nous entendons, que nous nous rappelons cela et que cela porte de fruit dans notre vie. Et nous prions comme les anges, comme les saints d'autrefois, comme Joseph, comme Phiné, comme Moïse, que tu fasses de chacun de nous de pareil. Et lorsque la trompette sonnera, nous recevrons la récompense de toi au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions.